il a fallu sortir de la gare. C'était pas une mince affaire pour les filles que nous sommes, qui ne sont pas habituées aux remontées mécaniques. On va où les filles? Au plan de l'aiguille. On sait pas par où on y va. Et puis ensuite, on a fait une petite variante, on a essayé que c'était sympa de passer par le fil de l'arête qui menait donc jusqu'au col où on devait faire l'attaque. En fait, c'est un truc où on se dit qu'il fallait peut-être qu'on sorte la corde. Alors du coup, on a sorti la corde et puis Gaël nous a appris l'encordement randonnée pédestre. Du coup, on s'est retrouvés à 6, les unes à la suite des autres, avec un nœud autour de la taille. Mais on a encore appris à brasser de la corde, à faire des nœuds rapidement, à s'encorder vite. Donc déjà, on s'excuse par rapport à la corde 2 là, qui voulait faire une voie peu parcourue à Chamonix, être un petit peu à l'écart. Donc ils se sont fait complètement envahir par le groupe de filles qui plus est. Je laisse imaginer le volume sonore. Et ensuite, il y avait globalement de la fissure. Ah, il y avait un petit pas de dalle et ce qui était intéressant, c'est qu'on était en grosse en fait ce jour-là. Donc il a fallu gérer petit pas de dalle en grosse sur le granit, retrouver un peu les sensations. Et par contre, au niveau des fissures, je trouve que ça s'est quand même globalement plutôt bien passé. Je crois qu'on a tout vu le bénéfice d'avoir fait de la fissure aux États-Unis à l'automne dernier. Ça va alors? Bien passé? Nickel. Impeccable. C'est ce qui compte. Du coup, après cette petite longueur de mi-off-width, mi-dièdre, où je pense que si j'avais pas eu mes câblés, j'aurais glissé. Le long de cette fissure beaucoup trop large pour mes grosses que j'arrivais pas à coincer dedans. Et après, la longueur d'après, ça grimpait plus. C'était des genres de mi-canelure, mi-fissure encore. Donc là, on a pu rebosser la technique des verrous de main. Autre, s'en est bien sorti. Là encore, on s'est souvenu de toute la pédagogie d'avoir les grosses. Alors quand il y a un petit pas en dalle, dans la pédagogie, tu l'oublies un peu, mais voilà. Et la dernière longueur, c'était assez facile, des assez gros blocs jusqu'au sommet. Voilà, où on pouvait protéger avec des grandes sangles sur des gros blocs. Alors, arrivé au sommet, petit débat. Donc les premières, elles anticipent comme on a bien appris et elles anticipent le rappel. Manque de vol, c'est pas l'option retenue. Donc on désanticipe, on redéfait et on redescend en désescalade. Ce qui, ma foi, était tout aussi rapide certainement et puis assez intéressant, pas si dur. On retrouve le col de la bûche, on descend à couloir en neige. Neige toujours par 40 degrés maintenant au soleil, avec des pierres qui commencent à débarouler un peu à droite à gauche de nous, heureusement pas sur nous. Et là, on met le turbo et on rentre le plus vite possible. Du coup, moi, ce que j'ai appris quand même pendant cette course, c'est que d'habitude, dans une course comme ça, j'ai toujours les chaussons dans le sac. Comme ça, pour le petit pas de dalle qui fait un peu peur, tu peux mettre les chaussons. Et là, on s'était dit, le challenge, c'est de pas les prendre. Du coup, on les a pas pris. Et du coup, ça t'oblige à être assez efficace avec les grosses. Parce que quand il y a une fissure et que tu peux coincer le pied dedans, ça va bien. Mais quand tu es sur une vieille dalle toute lisse, tu es obligé d'optimiser, quoi. Donc moi je dirais que c'est surtout le fait de grimper en grosse qui m'a appris à être efficace, on va dire.